The Kid is a Fletcher-class destroyer that served in World War II from 1943 to 1946. She served again during the Korean War, starting in 1951, and ended her service in 1964 during the Cold War. Yep, tout le monde, ici l'arbitre de la Bourgogne. Aujourd'hui, nous sommes sur World of Warships pour présenter un destroyer qui est l'USS Kidd. Donc, l'USS Kidd, c'est un destroyer de classe Fletcher, si je me souviens bien. Donc, il a été construit en 1943. Bon, qu'est-ce que le Kidd est intéressant? Bah, déjà, c'est un musée aujourd'hui. Donc, il existe en vrai. Hein. Il n'a pas été détruit ni coulé. Donc, c'est bien. Donc, qu'est-ce que le Kidd à nous offrir comme gameplay? Déjà, quand on regarde le blindage, bah c'est de la merde. Du genre, on en tue 13 et du 20 mm, comme tous les destroyers. Mais sa force, c'est l'artillerie. Et ça, préparez-vous. Parce qu'on a du 127 mm. Et ça, ça fait mal. Donc on a du 127 mm 38 MK12. Donc voilà. Et donc, comme c'est une mitraillette, ça tire tous les 2 ou 3 secondes, je crois. Donc c'est ça qui fait cette petite. Malheureusement, comparé aux autres classes Fletcher, pareil, voilà quoi. Il y a une seule emplacement de torpille. C'est un petit peu la faiblesse du Kidd. Mais son point fort, c'est bien sûr les desserts. Parce que là, on a du Oclairon déjà. On a du 40 mm, du Beaufort. Classique Beaufort, toujours. Puis on a enfin les Beauforts qu'on voit dans les films, hein. Ces gros Beauforts qui sont à la place. Du deuxième torpille. Parce que ici, avant, sur les Clash Fletcher, il y a des torpilles ici, si vous voyez. Donc, puis on a les canons, celui-là aussi. Bon, les 127 mm, donc ça fait son taf. Bien sûr, ce navire est très, très, très discret. Ouais, vous cherchez pas. Donc bien sûr, le Kidd, ça fait un bail que j'ai pas joué. Ça fait un an que je le l'ai, donc voilà. Donc qu'est-ce que j'ai mis? J'ai mis maintenance préventive, j'ai mis ultime résistance, j'ai mis expert de capacité en survie, et bien sûr expert en diminution, c'est-à-dire que le navire est camouflé, tu vois. Donc bien sûr aussi on pouvait mettre ça aussi, mais je pense pas qu'on va le mettre tout de suite, hein. Ouais, plus tard. Donc voilà, après présentation, donc on peut passer au gameplay du Kidd. Ah, donc de retour sur Terre de Feu. Donc nous avons en face de nous du Kansas, du Bismarck, du Gizmo, du Shordroth, du Enigma, du Hipper, du Bera, du Nuremberg. Ah, il y a du Kidd aussi, du Grad, du Garus et du Clash. Ah, je pense que lui, le Kidd, il a sorti, il vient de l'avoir. Donc comment jouer le Kidd? On va pas le jouer en mode destroyer. On va jouer. Bon, en fait, c'est un destroyer. Game on, and a quick reminder that second place is imminent death. Alors, ce qui est intéressant, c'est ça. On peut réparer le navire. Donc, on a un générateur de fumée, réparateur de navire, et bien sûr, un booster de moteur. Tiens bon, c'est bizarre ça. Nous on a ça. Et bah si les gars, il y a. Donc là, on va pas trop caper. En fait, l'objectif c'est pas trop de caper.
Le problème, c'est que si on capte vite fait bien fait, le kill, il est vulnérable. Je vous ai dit, il n'a pas de double torpille, hein. Il n'a pas de torpille. Il a une torpille, hein. Un slot de torpille, pas d'autre. Sa force, c'est la théorie. Dans une minute, c'est bon, passer au coup de cam. Voilà. Donc bien sûr, Fun Pack, c'est-à-dire à jouer dans le film Gardop, mais qui est un super film. Donc, voilà. Alors le kid est toujours en avance. Bon, il y a des changements de micro, bah, j'espère que ça fonctionne. Je crois. La zone A, c'est fait cap. La zone C, peut-être. Ah ouais, la robe. Ok, cuirassé. Ça, c'est quoi, quoi. Ça, c'est du 15. Ça, c'est pas bon, si. Donc, le 15, ça. Le 15, ça. Il peut faire peur, mais... Alors, qu'est-ce qu'il a vu face à moi? Oh, Shadow. On va essayer de se cacher. Donc on va pas encore repérer. Oh, je suis tranquille. Bien sûr, les torpilles, je pense qu'on peut tirer à 9 km. Hop, on va se torpiller. Ok, je vais tirer. Allez, c'est une business, ça. Allez, allez, fais mon chute, s'il te plaît, fais mon chute. 2 km, ah il a repéré, salut. Oh, c'est pas ça. Smoking up the best pack you've got. Pourquoi j'utilise de la chaux? Oh, je peux pas utiliser la chaux, c'est bon. Oh putain. Oui. On va fuir un peu. Hop là. Boom, that destroyer got destroyed. Et la tour de magie. On répare le navire après. On attend la partie de bon. On va voir ce qu'on se ouais, c'est sorti vers les îles. Respectfully, help me out. On va essayer de sauver, c'est-à-dire, hop là, on essaie de dire pour l'heure, on essaie de l'équipage. Pour eux, très très fort. Il est con. Eh merde.
Speed Boost is off. Critical hit on our engine. Not good. Destroyer coming in. Problem solved, guy. That's right, the lead is ours. Okay, there you go. Alors lui, Nuremberg, il va faire son petit quart d'heure. Bon ça. C'est bon ça. Ça va péter. Péter. Ça me fiche. Donc pour conclure, le Kid, donc c'est un très beau navire, hein, franchement très beau navire. Alors il faut pas jouer un destroyer vraiment, hein, faut le jouer soit en mode croiseur ou en mode campeur. Quand même le Beral il m'a bien niqué par contre. Bon. Donc voilà, c'était l'armée de la Bourgade. On se dit bientôt et vive le Kid.